confier l'animation de son émission. Très heureuse d'être là. Je serai là jusqu'à jeudi. Puis là, c'est super excitant parce qu'on va recevoir des invités que j'ai choisis, poser des questions que j'ai écrites, puis vivre des malaises que j'ai créés. Je suis excitée. Je suis très, très, très excitée. La petite Marilyn de 6 ans regarderait celle de ce soir puis dirait sûrement, mon Dieu, qu'elle a l'air brisée puis seule. Là, je dois juste faire un petit message à Julie parce que oui, je le sais que tu regardes Julie, puis c'est non. Fais d'autres choses. Décroche, t'es en congé, OK? Ouvre un livre, fais une tarte, va te faire masser nu corps par des Guatémaltèques musclés, mais décroche! Bon, ceci étant dit, dans un talk show, des fois, les animateurs et animatrices ont un sidekick, hein, un acolyte qui est là pour puncher de temps en temps. Bien, moi, j'en ai une, ma grand-mère spirituelle, l'influenceuse octogénaire et celle que j'espère qui va me mettre sur son testament. Paulette est là! Comment ça va, Paulette? Ça va bien. Es-tu en forme? Oui, toujours. Tu sais que tu vas être là pour la semaine avec nous? Oui, oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Mais oui! Là, je veux que tu sois à l'aise. Hein? Tu peux poser des questions, interagir, faire une sieste, mourir. T'es chez vous. T'es chez vous. Laisse-toi aller, mais fais-nous pas ça, par exemple. Hein? Non, ça non. Serait bon pour les codes d'écoute, mais fais-le pas. OK? Est-ce que tu es prête à commencer le show-là, ma belle Paulette? Oui, je suis prête. Yay! Yeah! J'avais le goût de commencer ma semaine avec une amie. D'habitude, on se jase toujours autour de 1, 3, 4 bouteilles de vin. C'est donc la première fois que je la verrai pas en double. Accueillez les jumelles, Laurence Leboeuf! Cette semaine, il y a du vin pour les invités. C'est donc bien on sortira pas de notre routine, ma chum. Cheers! Laurence, tu fais pas souvent des entrevues quand même. Mm-hmm. C'est assez rare. Est-ce que c'est parce que t'es gênée, t'aimes pas ça? Ouais, je suis pas toujours à l'aise, je te dirais. C'est pas mon métier, mettons. D'être bien devant le monde, de bien m'exprimer. Comment tu te sens, là? Mais bien, parce que j'étais avec toi. Bon, cool. Puis inquiète-toi pas, je te mettrai pas dans un coin, j'irai pas dans des zones où t'aimes pas aller, genre je te parlerai pas de ton chum des 4 dernières années, l'humoriste Martin Matt. Uh-huh. J'en parlerai pas, je te jure. Mais il y avait une question que je me posais, est-ce qu'il est chauve de partout? I drink to that. Yes. OK, on va ailleurs, on va ailleurs. Est-ce que tu te souviens de ta première entrevue télé? Non. Ta première entrevue télé, c'était avec Julie Snyder. Ben voyons, non. On va aller voir ça. Dis-nous, toi, là, ta mère, justement, joue dans La Petite Vie. Elle joue le rôle de Thérèse. Comment tu la trouves là-dedans? Je la trouve très bonne, mais un peu énervée. Un peu énervée. Est-ce que dans la vraie vie, elle est énervée aussi? Ben, elle est moins énervée que dans La Petite Vie, mais elle est énervée. Elle est énervée aussi. C'est une nerveuse. Ouais. Es-tu plus énervée que moi? Je sais pas comment dire ça. Tu sais pas comment dire ça. Tu oses pas te prononcer. Toi, t'es calme comme ton père. Oui. Elle va aimer ça, ta mère, entendu ça. On va y envoyer une cassette. Mais voyons donc. Tu t'en souviens pas? Mais non, zéro. Avec mes lunettes, hey. T'es trop cute. Tu ressembles tellement à ta mère, ça n'a pas de bon sens. Ah, j'en reviens pas. Est-ce que la petite Laurence, là, voulait être actrice à cette époque-là? Ça serait pas clair. Je pense que je voulais être beaucoup de choses. Je voulais être vétérinaire, je voulais être écologiste. Ah aussi? Oui. Puis c'est par après que ça un petit peu plus tard, là, vers 9 ans, 9-10 ans, que là, j'ai vraiment commencé à vouloir faire ça. Que t'as déclenché. Ouais, exact. Plus tôt cette année, il y a une mini-série Netflix qui est sortie qui s'appelle The Serpent. Ça relate l'histoire vraie d'une criminelle québécoise qui a d'ailleurs déjà gardé ton père, qui s'appelle Marie-Andrée Leclerc. Quel hasard. T'as fait les auditions pour avoir ce rôle-là de la Québécoise dans la série. Mais ils ont offert le rôle à une actrice qui ne parle pas du tout français, qui n'est pas du tout québécoise. Ouais. Allons voir ce que ça donne. Les 2 semaines de vacances sont devenues 3 semaines de calvaire. Pourtant, je refuse de rentrer. Même si nous n'avons toujours pas partagé l'intimité d'un jeu boule d'envie. Je suis terrifiée à l'idée de retourner chez mes parents. Dans ma triste chambre. Et d'avoir supporté le zèle de petits saints rassurés. Ça, c'est un accent. Faut que ça soit sous-titré, là. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est un accent de la bombe. Mais ou... c'est pas clair. C'est pas clair. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand t'as pas eu le rôle ou quand t'as vu le résultat final? Non, quand j'ai vu le résultat, définitivement. Je trouve ça vraiment dommage. Ben oui. Qu'il n'y aille pas dans la vérité de. C'est même pas un personnage, c'est ça. C'est une fille qui a grandi à Lévis, tu sais. Je veux dire, que ça soit moi ou une autre, je veux dire, juste l'authenticité de la chose aurait rajouté, je sais pas, de la richesse au show. J'ai comme envie de dire que si c'est une Québécoise, il faudrait que ça soit interprété par une Québécoise. Ouais.
Est-ce trop demandé? Je ne croirais pas, non. On vient de parler d'une anglophone qui parle très mal français et parlons maintenant d'une francophone qui parle terriblement bien anglais, Laurence Leboeuf. Je te trouve sexy quand tu parles en anglais. C'est à autre niveau. Moi, je me mords les poings à chaque fois. Je vous donne un exemple pour que vous soyez tous au courant. Je vais te donner une phrase là, comme ça, là, au hasard, et puis tu me la dis en anglais, OK? OK. Quand je reviens de la job, mes pieds sentent le gros fromage. When I come back from work, my feet smell like cheese. J'ai une vague de sang dans le pubis. Ah! Ah, mon Dieu! Toi aussi, Paulette, hein? Attends qu'on est toutes allumées comme des ronds de poils, on va aller voir un extrait de Transplant. An Alice DeMarco's blood came back negative for hemochromatosis, sarcoidosis, and amyloidosis. No sign of infection, viral or bacterial. Then she does need new heart. Which would mean June was right. Why can't June be right? Surgeons find surgical solutions. I think there's still something I'm missing. You can't leave me in this circus when your fellowship's over. Please. Mais Seigneur Dieu, où as-tu appris à parler si bien anglais? J'ai comme l'impression que ça vient pas de ton père. Non, non, ni de ma mère, je te dirais. Plus. Non plus. Ben écoute, c'est vraiment en secondaire 3 que... Il y a une amie qui est arrivée de Boston, qui est venue apprendre le français à mon école, puis j'ai appris avec elle beaucoup mon vocabulaire. Pour ça, j'ai fait une série qui s'appelait 15 Love, puis j'ai été vraiment là dans... J'ai baigné Merci dans l'anglais madame. Pendant 4 ans de temps, puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait que je suis devenue bilingue. On pourrait peut-être donner ton numéro de téléphone de ton amie de Boston à Julie Snyder. Ah oui, peut-être qu'elle serait un peu meilleure. Mais... Hey, j'ai envie de... Tu sais, on est des amis dans la vie. J'ai envie qu'on potine ensemble. OK. Hein? Alors, entrevue, Lolo et Jonka potine. Lolo et Jonka potine. Ouais, il y a un jingle, on n'avait pas l'argent, fait que c'est moi qui le fais moi-même. Ah, c'est bien. T'aimes-tu ça, Adam? Alors, Laurence, t'as 11 projets dans lesquels tu fais de la nudité partielle et complète. On a fait un petit montage. Ah, super! Ben non, c'est pas vrai. Je te ferai jamais ça. Hey, quand même! Voyons! Mon cœur a un peu arrêté. Je fais pas beaucoup d'entrevues, puis je comprends pourquoi. Oui, c'est Est-ce que c'est encore gênant, après 11 projets, de faire de la nudité? Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est vraiment de... Le coup de se mettre à nu la première fois, juste de passer à la glace carrément, là, c'est gênant, c'est sûr. Là. Mais on dirait qu'une fois que c'est fait, il faut juste que tu embarques dedans, puis que tu plonges, tu embarques dans ton personnage, que tu oublies ce qu'il y a autour, puis que tu y vas. T'sais, quand tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis pour lesquelles raisons tu le fais pour ton personnage, ben t'assumes. Puis après ça, t'es-tu à l'aise dans un rap party? Ça, là. Ce qui se passe sur un plateau, ça reste, ça reste là, dans le closet, là, ouais. Il y a quelque chose que je sais de toi et qui me fait beaucoup rire, c'est que tu as une méga phobie des papillons. Oui. Explique-moi pourquoi. Bien, c'est très dur à expliquer, hein, une phobie des papillons. Mais dis-moi pas qu'il y a un papillon ici, là. Non, il n'y a pas de papillon. Non, quand j'étais petite, je me suis fait pourchasser par un monarque. Et il m'a suivi jusque dans l'eau et il volait au-dessus de moi et ma cousine, parce que ma cousine aussi, maintenant, elle a une phobie des papillons. Et donc, c'est à partir de ce jour-là et maintenant, je sais. Non. Regarde. Est-ce qu'il est capable de le prendre, lui? Oui, parce que là, il est pas vivant. Pas vivant, là. Puis il est pas imprévisible. Non, non, c'est ça, là. Il sait pas. Tu sais, les papillons, ça sait pas ce que ça s'en va. C'est un peu fou. Ça peut aller dans tes cheveux si ça veut. C'est paniqué. Non, ça... Toi, t'es savant, il y a un papillon qui rentre dans l'auto. Ah non, non, c'est arrêt cardiaque, accident, c'est sûr. Mais je compte faire de la thérapie un jour pour ça. Ben ouais, oui, ouais, ça m'en est, parce que c'est un peu ridicule là, dans le parc. Pour un papillon, pour Laurence. Pour un papillon, moi, je suis. Tu as joué dans le jeu avec ton ex-copain Éric Bruneau. Oui. Et puis, vous aviez des scènes quand même de rapprochement à faire ensemble. Mm-hmm. Puis je me posais la question, est-ce que c'est plus difficile ou plus confortable quand c'est ton ex? Mais c'était plus confortable avec Éric parce qu'on s'entend super bien, puis on était vraiment contents de se retrouver pour jouer ensemble, puis ça a été juste, on était à l'aise. Fait que ça a comme empêché l'espèce de moment d'essayer de trouver c'est quoi, comme être, de se prendre dans les bras, de se prendre la main, même de s'embrasser. Je sais pas, on était comme juste bien. Fait qu'on s'entend bien. Même le premier baiser? Ben ouais. Ah ouais? Ben ouais, c'était vraiment easy, là. Je sais pas. T'avais pas peur de réavoir des papillons? Non. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Parfait. J'ai envie d'un potin. C'est qui est pas fin dans Gang la petite vie?
Oh non! Je savais pas, j'étais trop petite, là. Bon. Non, c'est vrai, là, moi, je jouais avec les caméramans en arrière, puis je voulais être caméra-woman aussi, ça, c'était ce que je voulais faire, ouais. Avec... J'étais pas, j'étais trop jeune. 7-8 ans, tout le monde était fin. Puis, mettons, le plus fin. Oh, le plus fin. Bien, ça serait peut-être la plus fine, parce que Josée Deschênes était vraiment gentille. Ouais. Elle est encore très, très gentille. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce qu'on va être des amis pour toute la vie? J'espère, Marilyn. Tu nous as acheté des colliers de best friend? Non! Là, tu as deux choix. Il y a l'espèce de choker un peu, okay. Comme ça, qu'on met dans le cou serré comme ça. Ou sinon, il y a un collier de noisetier. Je sais pas lequel tu préfères. Je prends le choker. Le choker? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Laurence. À venir à mon talk show, Le courrier du cœur de Tammy Verge et Antoine Vézina. À tout de suite!